Prenez une feuille carrée et pliez-la en deux. Ouvrez et pliez-la en deux dans l'autre sens. Ouvrez à nouveau et pliez en diagonale. Ouvrez et pliez en diagonale dans l'autre sens. Une fois que vous avez ces plis, pliez cette partie-là sur celle-ci. Puis cette partie-là sur celle-là. Vous n'avez plus qu'à fermer le tout pour obtenir cette forme. Ensuite, pliez cette pointe sur la partie du haut, en longeant bien la ligne centrale. Faites la même chose de l'autre côté. Tournez et faites la même chose de l'autre côté. Une fois que vous avez cette forme, il faut plier cette partie-là sur la ligne centrale. Faites la même chose de l'autre côté. Tournez et faites la même chose de l'autre côté. Ce côté doit bien être vers le haut. Quand vous avez cette forme, pliez ces parties dans l'autre sens. Maintenant, il faut mettre cette partie dans l'ouverture ici. Il faut faire la même chose de l'autre côté. Il y a un petit trou en dessous dans lequel il faut souffler pour gonfler la fleur de lotus. Vous n'avez plus qu'à finaliser en plaçant bien les pétales.